Bonjour, bien bonsoir, dépendamment de qui l'on regarde vidéo. Ça fait longtemps que tu as parlé de crypto, vous n'êtes pas vrai? Vous savez qui ça y est, comment on est capable d'utiliser? Regarde vidéo ça jusqu'à la fin, nous allons expliquer tout ça en détail. Crypto-monnaie, ou bien le crypto-actif, ou bien le monnaie numérique, ou bien le monnaie digitalisée. Il n'y a pas même genre avec dollar, ou bien euro, ou bien peso, ou bien yen. Monnaie ça même sont des monnaies physiques, monnaie ça est contrôlée par l'État ou bien précisément ça est une banque, spécialement banque centrale pays côté courrier. Banque centrale là lui-même seulement qui a accès pour créer monnaie ça. Ça veut dire faire monnaie ça et mettre le sous marché. Et monnaie ça est qu'on subit ça est inflation. Inflation c'est qui ça lié? C'est lorsqu'on te bon billet 100 dollars dans mon dans l'année 2010 si bon quantité bagage était capable acheter. Mais dans l'année 2021 ça même 100 dollars ça qu'on gagne hein il pas capable acheter même bagaille ça encore ça veut dire que la vie a augmenté monnaie ça lui a dévalué et phénomène ça il y a le phénomène ça inflation c'est ça ça veut dire crypto monnaie lui-même est différent de monnaie ça crypto monnaie si j'aime te tout à l'heure son monnaie virtuelle son monnaie qui digitalisé c'est mon monnaie capable qui bien mais on comme ça pas capable mon billet crypto monnaie dans mon mais ce sont des monnaies qu'on capable utiliser pour faire des transactions simplement sur internet. Premier crypto monnaie qui était créé, il était créé dans l'année 2008 ou bien dans l'année 2009. Il y a monde qui dit 2008, il y a monde qui dit 2009. Et mais il était créé par un groupe de monde et ou bien un grand monde jusqu'à présent pas grand monde qui a identifié est-ce que c'est un groupe de monde ou bien son grand monde qui était relé Satoshi Nakamoto. C'est lui qui était créé premier crypto monnaie qui était relé Bitcoin dans l'année 2008 ou bien l'année 2009. Actuellement, ma parle ensemble avec vous là, il y a environ 8000 crypto-monnaies qui déjà créées. Pour qui ça, je te crée crypto-monnaies? Crypto-monnaies a été créé dans l'objectif pour être capable de décentraliser l'économie. Ça veut dire, et pas la banque seulement, pour pas l'État seulement qui contrôle les transactions qui a fait. Et ça fait groupe de monde ça, ou bien grand monde ça, a créé crypto-monnaies. Juste, il y a ça, crypto-monnaies pire tout pire. Ça veut dire utilisateur à utilisateur. Ça veut dire, si il y a un dollar, ou bien il y a un euro, besoin de faire une transaction, comme un compte en banque, et vous faites transaction pour l'autre monde qui a un compte en banque. Ça veut dire ces banques là non seulement la bonne taxe et c'est lui-même qui contrôle toutes les actions qui a fait que crypto monnaie elle est différente. C'est vrai qu'il faut qu'on compte, ça veut dire nous aller sur ça puis devant, mais lui-même l'État ou bien gouvernement ou bien la banque pas bien contrôlé. Ça veut dire une monnaie qui est décentralisée, li contrôlé par une technologie qui est blockchain. Blockchain ça, li un petit genre compliqué, mais je vous fais une vidéo bien spéciale pour m'expliquer qui ça blockchain là et comment lui-même il fonctionne. J'aime de tout aller à gagner environ 8000 crypto-monnaies sur le marché. Mais premier crypto-monnaie qui était créé, c'est Bitcoin. À l'époque, le Bitcoin était créé, un Bitcoin te vaut 1 cent. Et dans l'année 2016, un Bitcoin te vaut 1000 dollars américains. Et dans la même année, ça, un petit castan après, un Bitcoin te vaut 19000 dollars américains. Imaginez un monde qui a gagné 10 Bitcoin et combien, comment, combien te multiplié par 19. Ça veut dire, imaginons combien de monde qui était millionnaire et combien de monde qui était regret parce que t'es vendu ça ou t'es gagné. Et nous allons expliquer où ça fait Bitcoin ou bien crypto monnaie en pile fois yo monte ou bien en pile fois yo descend. Monnaie ça relé des monnaies volatiles crypto monnaie ça. Ça veut dire yo subi loi économie ça qui relé loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire tant que plus monde qui est intéressé avec monnaie ça, les prend valeur. Et tant que moins monde qui est intéressé ensemble avec lui, un monnaie ça lui dévalue, ça veut dire il perd dans valeur qu'il était gagné. Ça fait Bitcoin dans lui-même qui c'est premier monnaie qui était créé, ça y est, les monnaies, ça c'est les mères de toute l'autre monnaie, de toute crypto-monnaie, parce que c'est lui-même qui était premier créé et il était créé avec un nombre qui est vraiment stable. Il était créé environ 21 millions de bitcoins. Ça veut dire pas jamais plus bitcoin sous marché. Imaginons, le monde là a environ 7 milliards d'habitants et il y a 21 millions de bitcoins seulement. Et nous, quand on est en économie, tant de barres à la plus rare, ça veut dire qu'il est toujours à prendre valeur. Même j'ai avec l'or ou dans la plotte. Et substances comme si premier que l'or ou bien le pétrole là, ça veut dire vraiment rare et ça fait toujours prendre et valeur comme ça.
Même j'ai un dollar ou bien euro, et si vous besoin acheter, vous pouvez aller dans la banque ou bien dans le bureau d'échange, vous pouvez acheter comme ça qu'on besoin. Si vous avez euro, besoin acheter dollar, en bien gain échange qui fait, ça veut dire vous payez quantité et dollar vous. Et même j'ai tout, crypto-monnaie ça vous même, pour acheter, vous avez des plateformes sur internet là qui spécialisent dans ça même. Des plateformes qui vous avez des plateformes exchange. Et si au Chili, des plateformes PAL, et si en France, aux États-Unis, au Brésil, si bah on est en Haïti, est-ce que bien, même pas c'est que pour capable utiliser grand pile monde en Haïti qui a utilisé comme on dit ça que les crypto-monnaies. Mais il y a des plateformes, il y a Binance qui existe, c'est une plus grosse plateforme qui existe actuellement là pour capable acheter crypto-monnaies ça, il y a ça les Coinbase, il y a les et nous même Chili, nous utiliser plateforme ça qui les crypto market, c'est les mêmes qui ben nous accès pour nous acheter Bitcoin, c'est plus facile pour nous. Ça veut dire sur Chili, on capable lier compte crypto market toi ensemble avec et carte bancaire ou bien comptable tout et puis à l'aide de lui-même on capable faire transfert sur crypto market là et de crypto market là on capable acheter Bitcoin ou bien Ethereum ou bien Lumens ou bien l'autre crypto monnaie qui est bon accès pour acheter là-dedans. On va expliquer qui a avantage et qui inconvénient qui gagne en crypto monnaie. Même on dit tout à l'heure crypto monnaie subit loi ça dans l'économie qui c'est la loi de l'offre et de la demande. Bitcoin nanium nan jou k ap vini yo la yo prévoit que gen pile moun plus moun toujours pa l'intéressé ensemble avec li parce que en pile côté qui accepté Bitcoin, gen pile restaurant en France qui accepté qu'on paye avec Bitcoin, gen pile banque qui d'accord des transactions faites ensemble avec Bitcoin, a dit Bitcoin a même li a prend valeur et pas seulement Bitcoin seulement gen pile l'autre crypto monnaie encore qui a prend valeur. Ça veut dire là on capable investir et kobou nan crypto monnaie ça, ça veut dire toujours bay conseil investi kobou konnen ki ou ka pèdi. Si vous avez 100 dollars, si vous avez 200 dollars, ou bien 500 dollars, ou achetez Bitcoin non là, ensemble avec lui, et puis peut-être dans 2 jours, dans 3 jours, bien dans 1 mois, dans 2 mois, peut-être dans 1 an, et comme ça, il est capable de doubler, ou bien capable de tripler, ou bien capable de 5 fois plus. Comme ça, tout, il est capable de 25 fois moins tout. Et ça fait, ça veut dire, tant que quelqu'un qui est intéressé avec crypto-monnaie, tant qu'il prend valeur, tant que quelqu'un qui n'est pas intéressé avec lui, c'est tant tout, la descend. Mais yo vraiment d'après étude des grands connaît qui dans économie qui fait yo prévoit que Bitcoin dans ligue pour arriver à 100 000 $ américains peut-être dans 10 ans peut-être dans 5 ans et c'est ça qui fait n'a pas encourager ou même dans moment ça ou sous besoin c'est recouvrir investi parce que ce qui était comme la banque et j'aime dire là subit ça l'inflation ça dit même comme ça on gagne la banque là banque pas mettre presque rien sur les vous et la dévaluer ça dit si tu gagne $50 en 2010, 50 dollars ça en 2021, il pas même valeur encore parce qu'on va acheter même bailleur ensemble avec lui encore. Mais Bitcoin là, il y a une autre crypto monnaie, ça veut dire ça va dépendre qui sont pour investir comme moi ou que doit investir $50 aujourd'hui à 50 dollars ça demain c'est il vaut $100, il vaut $300, il vaut $1000. C'est ça qui est arrivé dans l'année 2016-2017, un peu le monde qui était gagné $1000. Non, plein d'œil, il a gagné environ $19,000. Ça veut dire n'a pas courage et faire des recherches et regarder l'autre vidéo pour regarder pour dans qui crypto monnaie et pour nous venir avec l'autre vidéo pour nous expliquer qui crypto monnaie dans moment mon plus intéressé qui ça qui mon plus intéressé dans moment pour nous expliquer dans qui ça pour investir. Je pense que moi vraiment simplifié et si bon question capable toujours poser dans commentaire et puis si ou même tu besoin parler de blockchain là ou besoin comprendre blockchain là plus en détail écris blockchain nous dans commentaire m'a comprendre quand pile monde qui intéressé pour capable faire une vidéo spécialement sur ça et je pense que peut-être vous devez pas toutes informations ça des crypto monnaie genre de là c'est mon monnaie qui physique mais c'est mon monnaie qui virtuel ou bien c'est mon monnaie qui décentralisé c'est pas ni la banque ni l'état qui contrôle mais c'est une technologie qui est blockchain même donc un compte la banque qu'on s'attend capable créer un compte sur plateforme ça qu'on va l'acheter et crypto monnaie et ça il y a même URL il y a adresse ça on capable servir dans ça relé un wallet c'est un boost ça dit bon adresse même sous besoin monde et voyer Bitcoin pour juste bal adresse ça mais on est capable numéro compte pour voyer corps dollar ou bien euro c'est comme ça tout Bitcoin n'a ou bien l'autre crypto monnaie et il y a pour grand adresse et monde ça vient la transaction pour la juste fait transaction et c'est ça et je pense que cette vidéo ça c'était utile surtout apprendre en pile bagaille seulement on connaît ça pour faire
pour nous capables de comprendre ça, on va juste mettre un petit pouce bleu pour nous. Là, on va comprendre que vous êtes intéressé. Et c'est toutefois tout. Vous avez aimé la vidéo, ça, pas quitter le pouce seulement, partagez-la avec un ami ou un famou. On va investir comme vous parce que ça, c'est vraiment une belle technologie. Il y a des gens qui disent ça, c'est une technologie qui va révolutionner l'économie mondiale. Et dans pile le monde, dans pile le banque, dans pile milliardaire, dans pile millionnaire qui a investi là-dedans, pour qui ça, moi-même tout, ou bien vous-même tout, nous allons investir là-dedans. Au lieu que nous quittions comme nous la banque, ou bien quittions de notre côté, pour nous dévaluer en investissant dans la crypto-monnaie, dans ce qu'on est qui a pris en valeur, parce qu'il faut qu'on suive bien, et pour peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être qu'il doit y avoir un monde qui est millionnaire tout, par rapport avec les valeurs qui crypto-monnaie ça. C'était avec vous, Jojo Maker. J'espère que vous avez aimé la vidéo, partagez, like, et puis abonnez-vous à la chaîne là si vous pouvez faire ça. Nous vous rendez-vous dans l'autre clé pour notre vidéo. Ciao!